Ce matin, il y avait une émission sur France Culture avec Philosophie qui semble s'être intéressée à la spécificité du psychisme féminin. C'est intéressant parce que on est là en plein changement de climat. La subconscience, la phase de l'équinoxialité, va se recentrer sur les spécificités des différentes structures raciales, sexuelles. Aussi bien d'ailleurs au niveau du leader, c'est-à-dire que il va y avoir un recentrage. Et cette émission à 10 h ce matin du 2 février m'a paru correspondre à un nouvel âge où l'on commence à réfléchir sur le psychisme féminin, en tout cas réfléchir, à re-réfléchir, alors que l'autre période a tendance à occulter ces différences. On a parlé de Virginia Woolf, on a parlé de différentes personnes comme ça, qui racontent un peu leur mode de fonctionnement, leur jeu, leur elle, E2LE. Et ça m'a paru tout à fait caractéristique de ce passage que nous avons, ce glissement que nous avons actuellement, que nous assistons, tout d'un coup, des problématiques qui n'étaient pas à la mode en phase solsticiale reviennent sur le tapis en phase équinoxiale.